Alors, dans le module 1 de ce cours sur les fondamentaux de la gouvernance des ressources naturelles en Afrique de l'Ouest, nous avions analysé un peu les différentes étapes du cycle de vie d'une mine, c'est-à-dire de la prospection jusqu'à la fermeture de la mine, en passant par la construction des infrastructures et l'exploitation proprement dit. Dans ce module 1, on avait effectivement rappelé qu'il y a des impacts à chaque étape. Et fondamentalement, ces impacts sont relatifs à l'environnement, à la vie sociale des communautés qui vivent autour du projet minier, mais aussi des impacts économiques. Donc, dans le présent module numéro 2, ce sont ces éléments qui vont porter beaucoup plus notre attention. Alors, l'objectif, c'est pour nous, c'est de comprendre les impacts des activités extractives, d'abord sur l'environnement, ensuite sur la vie sociale des communautés impactées par les opérations minières, et enfin sur la vie économique de ces communautés-là. Alors, ce qui nous permet rapidement de voir dans la première partie les impacts des activités extractives. Et dans une deuxième partie, nous prendrons quelques temps pour analyser ou proposer quelques mesures qui permettront de prendre en charge ces impacts, y compris l'étude d'impact environnemental et social et le plan de gestion environnemental. Alors, il faudrait rappeler qu'en Afrique de l'Ouest, l'exploitation minière et les autres sortes de mines aussi, pétrole et gaz, sont en plein essor, dans plusieurs pays d'ailleurs. Récemment, en 2014, il y a eu des découvertes importantes de gisements pétroliers et gaziers au Sénégal. C'est idem pour la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, la Gambie, presque tous les pays qui sont sur la côte de l'océan, y compris maintenant les autres qui avaient traditionnellement connu cet essor, tels que le Nigeria, le Ghana. Donc, si vous allez un peu plus loin pour les autres minerais, tels que l'or, vous avez le Burkina Faso, le Mali, qui sont des pays très riches en or. Le Niger, avec son uranium, c'est une longue histoire. Et vous verrez que dans d'autres pays comme le Togo, l'exploitation des phosphates reste également une valeur ajoutée dans l'économie de ce pays-là. Donc, tous ces projets miniers, dans leurs différentes phases, impliquent des impacts, que ce soit sur l'environnement, que ce soit sur les populations, que ce soit sur l'économie du pays de façon générale. Quel que soit le type d'exploitation, que ce soit industriel ou artisanal, à tous les niveaux, il y a des impacts qui sont perceptibles. Ça, c'est clair. Mais ici, dans ce présent module, nous allons mettre l'accent beaucoup plus sur les impacts environnementaux les plus importants des projets extractifs. Alors, d'abord, l'exploitation impacte sur la qualité de l'eau et même de sa disponibilité. Parce que vous verrez que ce sont des projets qui nécessitent des quantités en eau extrêmement importantes. Et c'est valable pour les eaux de surface et les eaux souterraines. Pour les eaux de surface, généralement, qui sont destinées à la consommation humaine, leur qualité et leur disponibilité sont essentielles pour la survie de l'écosystème. Mais vous verrez que la présence d'un projet constitue une forte compétition entre maintenant les activités du projet et la consommation des ménages. Donc ça, c'est clair. Mais ce qui est plus grave, c'est que la présence des projets miniers peut impacter aussi bien sur l'eau à consommer, mais aussi sur cette eau en termes de vie aquatique et de la faune
terrestre native. Parce que vous verrez que si l'eau est infectée, il n'y a pas que les humains qui la consomment. Il y a beaucoup d'autres êtres vivants qui sont dans les fleuves, qui sont dans les lacs, qui sont dans les marigots, etc., qui sont naturellement impactés. Par exemple, le drainage des acides peut constituer une source extraordinaire de pollution de l'eau. Alors, vous verrez que toutes les autres formes de déchets, par exemple d'une mine, peuvent avoir des impacts sur les animaux, sur les poissons quand il s'agit des fleuves et des océans, mais aussi sur les individus humains qui consomment ces eaux. Vous verrez que dans le monde rural, par exemple, il y a beaucoup de populations qui boivent l'eau du marigot, l'eau des lacs, l'eau des fleuves, etc. Donc, impact particulier sur ça. Et les métaux qui sont souvent produits ou utilisés dans ces projets-là, vous comprendrez que ce sont des métaux qui ne se dissolvent pas dans l'environnement de sitôt. Donc, ce qui fait qu'ils se déposent au fond et demeurent dans le cours d'eau pendant de longues périodes et qui constituent bien sûr des sources de contamination énormes pour tous les êtres aquatiques qui vivent et qui se nourrissent de cette eau-là. Donc ça, c'est fondamental quand vous analysez les impacts. L'autre impact particulier, c'est que les projets miniers impactent considérablement le sol parce qu'ils provoquent effectivement une sorte d'érosion de ce sol-là à travers l'ensemble des produits polluants chimiques qui aujourd'hui peuvent constituer une menace considérable pour la qualité du sol, mais aussi pour l'exploitabilité de ce sol-là. Donc ça, c'est quand même aussi un impact à souligner. Alors, de façon générale, les produits qui issus de ces projets impactent la qualité de l'air parce qu'il y a une sorte de pollution forte. Si vous approchez les projets miniers, que ce soit les carrières, que ce soit les cimenteries, vous verrez que dans la zone, il est difficile de respirer de l'air de qualité parce que la fumée qui s'évapore, c'est la même chose aussi pour l'exploitation du gaz et du pétrole avec les torchés. Donc, il y a une sorte de pollution de l'air assez considérable que vous ressentez même de loin à côté de ces projets-là. Donc ça, c'est fondamental. Donc il y a une forte émission de polluants à partir des industries qui aujourd'hui sont transportées et diluées dans l'atmosphère et qui finalement ont des impacts sur la santé des populations, sur l'environnement, l'eau, le sol, la vie des animaux sauvages, mais sur les infrastructures, sur le climat de façon globale. Et sur le cas du climat, on reviendra de façon un peu plus détaillée. Il y a différentes sources, effectivement, de pollution. Il y a les sources mobiles de polluants atmosphériques, notamment l'ensemble des véhicules lourds qui sont utilisés dans les projets, les tracteurs et autres. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les sources fixes, c'est les émissions de gaz provenant des combustions de carburant, etc., des installations, tout ça. Et vous avez aussi ce qu'on appelle les sources courantes d'émissions fugitives, telles que les stockages et la manutention des matériaux, le traitement des minerais, et tout ça, ce sont des polluants ou des sources de pollution qui sont assez considérables dans ce secteur-là. L'activité extractive impacte particulièrement la faune. Vous verrez que dans la forêt, généralement, là où on exploite ces projets miniers-là, c'est souvent des zones de repos ou de retranchement des animaux sauvages. Donc, ce qui fait que l'exploitation des mines implique une forte déforestation, naturellement, cela constitue une perturbation et un déplacement massif de tous ces êtres animaux qui vivent dans ces zones-là. Et finalement, c'est des migrations qui naissent ou qui découlent de ces projets-là. Notamment, par exemple, les mines à ciel ouvert qui constituent de grands facteurs de dégradation des habitats aquatiques
avec des impacts qu'on ressent sur beaucoup de kilomètres autour du site minier même. Je l'ai dit tout à l'heure, les projets miniers ont un impact particulier aussi sur la qualité du sol, avec l'érosion du sol, tous les produits chimiques qui sont déversés sur ce sol-là, naturellement, les matériaux avec lesquels les compagnies travaillent, c'est souvent des déchets qui sont déversés sur le sol et affectent considérablement la qualité de ce sol-là. À côté de ces impacts environnementaux, nous avons les impacts sociaux qui sont assez remarquables. Les impacts sociaux sont relatifs d'abord à la façon dont la présence d'une mine peut affecter la vie sociale des communautés qui se trouvent autour de ces projets-là. D'abord, même lors des consultations, les populations se plaignent souvent du fait que la compagnie ne leur fournit pas suffisamment d'informations. C'est beaucoup plus des informations qui leur sont favorables, de sorte que ces populations consentent à ces projets-là. Donc, il y a cet élément-là. Ensuite, quand on déplace les populations pour cause d'utilité publique, généralement, c'est cet argument qui est brandi par l'État. Il y a des mécanismes d'indemnisation ou de compensation, mais qui sont jugés souvent injustes ou bien inéquitables pour la plupart du temps. Donc, cela est susceptible de créer des tensions sociales, voire même des conflits violents entre les populations et les promoteurs des projets. On a plusieurs exemples en Afrique de l'Ouest. Il y a des projets qui ne parviennent toujours pas à prospérer parce que les populations locales n'ont toujours pas donné leur quitus social. Donc, les impacts sur la vie sociale des communautés sont considérables. Il arrive que les études d'impact environnementaux réalisées sous-estiment ou ignorent même certains impacts de ces projets-là sur les populations. Ce qui fait que, généralement, en complicité avec les autorités, parce que le processus est encadré, effectivement, est surveillé et contrôlé par les autorités publiques qui ont beaucoup plus intérêt à renforcer leur tissu économique, ignorent ou ferment les yeux sur les impacts que les projets miniers peuvent avoir sur les populations locales. Donc, ce qui rend les populations dans une situation de vulnérabilité et à la limite d'impuissance. Finalement, c'est ce qui peut effectivement aboutir à des conflits entre ces communautés-là et les projets miniers, parce que ces communautés souvent voient leurs droits qui sont violés de façon assez manifeste. Les projets miniers impliquent un déplacement et des réinstallations de ces communautés-là. Mais souvent, on ne prend pas en compte certains aspects. C'est que si vous déplacez des communautés d'une localité donnée vers une autre localité, ce n'est pas évident qu'elles puissent garder et leurs valeurs sociales, mais aussi leurs activités traditionnelles qui leur permettaient d'avoir des revenus. Donc, cela crée souvent d'autres formes de conflits entre des communautés qui ne sont pas supposées pouvoir vivre ensemble. Mais c'est aussi une perte d'une dimension importante de leurs valeurs, de leurs racines, parce que vous abandonnez tout ça dans un lieu donné vers d'autres cieux. Donc, cela constitue effectivement une sorte de violation de leur droit, peut-être culturel ou cultuel même, si on prend la dimension religieuse et la dimension de culte chez beaucoup de communautés, voire même les communautés qu'on appelle souvent les minorités. Si vous allez en Amérique latine, c'est assez flagrant avec les communautés indiennes qui sont dans la forêt, qui sont souvent perturbées par la présence des projets miniers. Donc ça, c'est fondamental. Quand les communautés sont déplacées et relogées dans d'autres zones, mais c'est de nouvelles formes de vie que ces populations-là vont épouser. Et finalement, ça peut créer au moins une sorte de rupture dans leurs habitudes sociales et bien sûr, réduire leur espace d'épanouissement. Les projets miniers aussi favorisent beaucoup la migration. Et généralement, c'est de la migration irrégulière
vous verrez que quand une mine s'installe dans une zone donnée, c'est des populations parfois très éloignées de la mine qui se déplacent vers cette activité-là et créent toute autre forme d'activité autour de la mine, y compris le trafic humain que nous remarquons de plus en plus autour des projets miniers. Mais aussi, il y a un afflux important de travailleurs extérieurs même du pays ou de la zone concernée qui viennent s'installer avec leurs habitudes, avec leur comportement, ce qui peut naturellement impacter sur la vie sociale des populations autochtones dans les zones qui sont directement impactées. Cela pourrait augmenter les actes criminels, y compris la prostitution, la vente de drogue et toute autre forme de délit. Les activités extractives impactent considérablement aussi sur la santé publique. Ce sont des projets qui impliquent l'utilisation de substances qui sont souvent décrites comme étant des substances dangereuses, qui affectent l'air, qui affectent l'eau, le sol. Donc, naturellement, la consommation de ces produits-là ou le fait d'inhaler, de respirer ces produits toxiques, naturellement, constitue des sources de détérioration sanitaire à l'endroit des populations. Donc, l'eau, l'air et le sol impactés par le dépôt d'éléments toxiques, naturellement, perturbent la santé publique. Il y a aussi les impacts sur les ressources qu'on appelle culturelles et esthétiques. Généralement, certaines communautés ont ce qu'ils appellent les terres sacrées ou bien des infrastructures historiques, ou bien des points de repère naturels même, voire même des cimetières. Alors, si un projet minier s'installe et qu'il veuille occuper toutes ces terres-là, naturellement, il finit par détruire ce patrimoine culturel et détruire aussi le patrimoine esthétique de ces communautés qui sont impactées. Parfois, c'est des arbres mythiques et mystiques. Parfois, c'est des zones qui sont considérées aussi tant que telles. Mais malheureusement, l'exploitant minier n'a pas la même considération que ces populations-là, n'a pas le même sentiment à l'endroit de ces musées, à l'endroit de ces sites historiques, à l'endroit de certaines espaces de prière et mausolées. Il n'a pas le même sentiment que les populations qui sont là. Donc, naturellement, ils impactent sur leur patrimoine culturel. Ce n'est pas que ça. Quand les populations sentent souvent leurs droits violé et qu'il essaie de revendiquer, on a tendance à voir de plus en plus d'abord la mine s'entourer d'une sécurité privée, mais aussi parfois l'État mobilise une forte présence de personnel de sécurité autour des projets miniers pour réprimer toute velléité de révolte des populations ou de manifestation des populations, ce qui restreint de façon drastique l'espace civique de ces populations-là. Il est arrivé dans divers cas que les forces de l'ordre privé, c'est-à-dire la sécurité privée, des compagnies minières ou pétrolières, puissent s'attaquer parfois à des communautés et les violenter de façon assez manifeste. Et cela découle souvent sur des conflits entre les communautés et les ressources des autres acteurs, c'est-à-dire soit avec les forces de l'ordre étatiques ou bien les forces de l'ordre privé même de la compagnie. Donc, il y a souvent assez de risques de conflit qui découlent de cette restriction de l'espace civique. Et naturellement aussi, la concentration d'un grand nombre de jeunes actifs autour de la mine est souvent, constitue souvent un terreau de recrutement pour les mouvements radicalistes ou bien des mouvements extrémistes violents, parce que ce sont des jeunes qui sont à la recherche du profit, facilement, ils peuvent être attirés par des propositions indécentes de certains groupes armés qui peuvent les recruter dans ces espaces-là. Alors, on a vu les impacts environnementaux, on a vu les impacts sociaux, on va s'attarder un peu sur les impacts économiques. Les impacts économiques peuvent être positifs, mais aussi négatifs. Quand je dis positif,
c'est que elles peuvent attirer, disons, beaucoup d'investisseurs, mais en même temps, le privé national peut tirer beaucoup de profit de l'approvisionnement local, de l'emploi local. Disons que les projets aussi contribuent à l'économie des pays. Vous verrez que certains pays, leurs exportations dépendent majoritairement de l'exploitation des ressources minérales. Leur PIB est impacté de façon positive et les emplois aussi s'accroissent dans ces zones où il y a des projets miniers. Mais de plus en plus, on s'est rendu compte que les impacts économiques, pour la plupart du temps, sont d'une dimension assez marginale dans l'économie des pays. Vous verrez que pendant au moins 10 à 15 ans d'exploitation des ressources naturelles au Sénégal, ce secteur ne contribue pas à plus de 3% au niveau du PIB, à plus de 1% au niveau de la création des emplois. Donc, vous verrez que c'est une contribution assez marginale, malgré toutes les réserves qui sont souvent annoncées. Vous verrez que dans d'autres pays considérés comme étant riches en ressources naturelles, tels que le Burkina Faso, le Mali, le Niger, restent toujours des pays à un niveau de pauvreté très élevé. Donc, naturellement, c'est ce que l'on appelle le contraste des richesses, bien la malédiction des ressources, qui fait que vous êtes riche en ressources, mais malheureusement, cela ne se traduit pas en développement. Mais la présence des projets miniers dans une localité donnée peut être source d'inflation et hausse des prix même, parce que la présence des étrangers souvent favorise un niveau de vie légèrement plus élevé. C'est le travers des compagnies qui bénéficient des retombées qui peuvent leur permettre d'avoir un loyer un peu plus élevé, etc. Donc, naturellement, la demande augmente dans la localité et finalement, c'est les prix qui sont impactés. Donc, ça, c'est déjà un impact que les populations locales vivent de façon directe.